Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, les amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, on est dans un nouvel épisode d'RP Prison. On est samedi, il est 10h, roleplay prison. Aujourd'hui, ce n'est pas des moindres. Je vais tenter de... je vais tenter de m'échapper. Non, je vais préparer le plan pour m'échapper. Vous allez voir, le plan, je l'ai déjà en tête. Il est dingue. On va voir s'il va fonctionner. Les amis, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner. Comme ça, vous suivez... vous pouvez regarder toutes les vidéos tous les jours. Je sors une vidéo par jour. Bah voilà, c'est mieux de s'abonner. Comme ça, vous pouvez regarder les vidéos tout simplement. Donc abonnez-vous, je vais... Ah bah ça sonne déjà. Bonjour tout le monde. Bonjour garde trop sympa, meilleur garde de la Terre. D'accord, me gobe pas trop. Bon oui pardon. Merci à Ethan, Tico et Josefina Braga pour leur abonnement. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, comme ça hop. J'ai 600 000 abonnés, RP École, tout ça. Et en plus bah c'est gratuit. Alors les amis, pour ceux qui se rappellent pas, là on va aller à l'appel. Je suis en retard en plus. Désolé, chef, je suis en retard. Attendez, je vais chercher Pablo parce que mon collègue est certainement incapable. Ah, ok. Alors, les amis, vous avez vu, j'ai changé de cellule. Avant, j'étais en face. Bien. Maintenant, j'ai celle-là parce que vous savez, Pablo, le mec là, eh ben, j'ai demandé de tuer le mec qui était là. Comment il s'appelait le mec qui était là avant déjà ? Julien. Ah oui, Julien, pardon. Et en fait, j'ai demandé à Pablo de tuer Julien et du coup, j'ai récupéré sa cellule. Oui. Ok. Viens, bon, tu m'énerves. Pablo, il était pas censé être en isolement parce qu'il a tué un mec. Non, on a des doutes en fait. Il s'est pas fait forcer. Oula. Mais non. Il s'est fait quand même. Non, non, il a pas été forcé à tuer. Lui, il a tué de son plein gré, je pense. Non, parce qu'au vu de son passif. Non, il a un passif dangereux, faites attention. Il est pas en prison pour rien, garde. Il est pas en prison pour rien. La seule chose, mis à part son braquage de super-hé, c'était une garde à vue d'une heure pour avoir pissé sur le trottoir. Ouais, non, mais peut-être qu'il a d'autres trucs, hein. Mais d'ailleurs, y a pas Marinette, y a personne là. Cricri, il est pas là. J'ai dit, il a été transféré. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Okay. Et Marinette n'est toujours pas là, tout comme le Cosmos. Ah oui, le Cosmos, purée, le Cosmos. Bon, c'est pas grave, on peut faire sans hein, maintenant. Je vis beaucoup mieux maintenant depuis que... Cosmos. Oui. Présent. Présent. Pardon. Pablo. Oui. Pablo. Oui. Faut dire présent. Pablo. Présent. Ouah, tu lui as coupé des cheveux, chef. Oui. Oh là là, ça lui a rasé la tête, il va ressembler au Cosmos après. Mais attendez, y a personne d'autre ? Y a Ismaël qui arrive. C'est qui le Cosmos ? Allez, on se dépêche. C'est ta sœur. Mais wesh ! Wesh, attends, Ismaël c'est qui ? Vous êtes sérieux ? Salut Ismaël. Bonjour. Wesh, t'es qui toi ? T'es un nouveau ? Ah, c'est un nouveau ! C'est un nouveau. Bonjour Ismaël, enchanté, je m'appelle Oxymos, j'ai pas trop envie de parler avec toi. Tu sens pas bon. Tu sens pas bon. Toi, à mon avis, t'as fait plein de crimes. Aussi. Ah, bonjour, garde, collègue. Non, c'est garde. Ouais, garde. Eh, mais dis donc, vous avez une super cape. Mais dis donc, elle est trop belle, votre cape, monsieur. Ah oui, elle est super moche. Ouais, elle est super moche, ta cape, mec. Elle ressemble à rien. On dirait que t'as chié sur ta cape et du coup, ça a fait un motif. Il a enlevé, il a trop le seum. Bon, allez, je vais travailler, moi. Tu surveilles Pablo. Ouais, Pablo, il est dangereux, c'est un dangereux. Bon, les amis, vous savez, moi, j'ai mon travail de privilégié. Je vous rappelle que depuis que Julien est mort, le chouchou du mec qui avait la cape, là, maintenant, c'est moi le nouveau chouchou, en fait. Donc, j'ai ordonné à Pablo de tuer Julien, le Pablo qui est là. Pablo, il a rien dit, je pense, mais on le soupçonne que c'est, il a été forcé, donc c'est moi en fait. Donc en fait là, il est plus en isolement, Pablo, parce qu'il a tué un mec, mais il a peut-être poucaf que c'est moi qui lui a demandé. Ça c'est chaud les gars, ça c'est chaud parce que ça veut dire que je vais être dans la merde. Donc c'est pour ça que mon plan pour m'évader, il arrive au bon moment. Alors mon plan pour m'évader, eh ben on y est. Là, en quelque sorte, on est sorti des murs d'enceinte de.
On est sorti des murs d'enceinte de la prison, les gars. Mon nouveau boulot de privilégié, c'est de faire des déchargements. Regardez, 100 dollars par déchargement. En fait, juste à prendre les caisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et hop, je me barre comme ça. Tac. Oh là, il y a des coups de feu. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas au travail? Ah ouais, c'est la plonge, là, le nouveau. Ah non. Eh, hey, Pablo, là, dépêche-toi, la plonge, là. Et là, les amis, non, regardez, on pose des caisses. Mais t'arrêtes, je veux plus. 2, 3. Simon. Ouais. À cause de ce qu'il a fait, on le laisse à la plonge en quelques moments. Ouais, pas de soucis, pas de soucis, hein, t'inquiète. Ça, mais c'est pas le nouveau qui est censé être à la plonge, du coup? Non, enfin, du coup, le nouveau, au vu de ce qu'il a fait dans les derniers jours, du coup, le nouveau, on a préféré le mettre à la librairie. Ouais, ouais, nickel, ok. C'est mieux comme ça. S'il te cause un problème, tu me dis? Non, non, t'inquiète, il y aura qu'un problème. Tu vas voir. Ok les amis, tiens, on va parler à Pablo. Hé, hey, Pablo, t'as poucave que c'était moi qui t'ai demandé de tuer Julien? Non. Alors pourquoi il dit que t'as été forcé? T'as dû dire que t'as été forcé? Non. Eh, qui est pas intérêt à ce qu'il y a mon nom qui ressorte. Sinon c'est toi qui va finir comme Julien. Pablo, il va finir comme Julien. Couteau dans le ventre. T'as compris? Je vais pas avoir de soucis. T'es en train de me dire non, j'ai rien dit. Après, t'es plus en isolement parce que t'es allé dire qu'on t'a forcé. Non. Gare à toi et dépêche-toi de faire la plonge, toi. J'ai envie de manger dans des couverts propres, moi. Tout à l'heure. Bon, les amis, mon plan pour s'échapper. Alors, tous les jours, il y a ce camion-là qui fait des allers-retours. Le garde m'en a parlé. Il y a un sas à passer ici. Mais si on est assez intelligent, on peut, le jour du travail, ça va être le prochain épisode, donc la semaine prochaine, hop, ce qu'on fait, c'est que on décharge tout le camion, sauf deux boîtes, ou on décharge tout le camion, et on le recharge comme ça. Là, je viens de choper une boîte, et en fait, on fait ça, tout simplement. Tac, tac, tac. Voilà, les gars. Et on se rebouche comme ça. Alors, attendez, il faut que je m'organise mieux. J'arrive pas à poser bien la boîte, mais bon, on fait comme ça, quoi. Du coup, là, même chose, on fait ça ici, tu vois, hop, hop, et là, le mec dans le camion voit pas. Et là, hop, je peux partir. Et du coup, hop, c'est bon, je suis libre, même pas besoin de faire un trou dans le mur de la prison, même pas besoin de ça, tu vois. Et c'est ça qui est cool, c'est que du coup, je vais m'enfuir de la prison sans rien. Par contre, c'est risqué parce qu'il y a des ça, c'est, j'ai pas envie qu'il y ait des... Je crois qu'il y a des scanners qui analysent le camion. Pablo, pourquoi tu casses les assiettes? C'est bon, j'ai rangé tous mes... Toi, t'auras pas de salaire. Je... Moi, c'est bon, c'est 100 dollars déchargement, c'est bon. C'est toutes les assiettes, monsieur. Bah, t'es pas intelligent, toi. T'es pas intelligent. Bah, moi, c'est bon, garde, j'ai... Carré. Ok, bah, allez ici. Hop. Attendez, j'ai pas été payé, moi. Je vais te payer, t'inquiète pas. Ok, bah, on se donne rendez-vous à la machine, comme d'habitude, pour être payé. Les amis, je vais vite faire aller chercher ma carte. Chef, je vais aller chercher ma carte, j'ai encore oublié. D'accord. Purée, les amis, c'est un problème que j'ai chez moi. J'ai jamais ma carte, bordel. C'est un truc de ouf. Pourtant, je me suis amélioré dans les autres vidéos et tout. J'avais ma carte bleue sur moi directement, mais là, je l'ai pas. Propriétaire Oximos, fonds 155. Ah oui, c'était ça. Regardez, les amis, j'ai 5 billets. J'ai 4 billets de 500. Ça, c'était l'argent qui est resté dans la cellule de Julien. Je vous jure, en fait, travailler là, ça me sert plus à rien. Je gagne plus que. Je gagne 100 dollars par semaine, wesh. C'est carré. Bon, t'as rangé combien de livres? Fallait le ranger. Ok, bon. C'était un bon livre sur les chaises que j'ai lu. La bibliothèque, c'est pas pour lire les livres, c'est pour les ranger, abruti. Bah. Un petit mot. Ouais, merci beaucoup. Carré, chef. Bon, allez, on va tout... Ouais, ça fait plaisir. Ouais, je suis trop riche, j'ai reçu 1 centime. 500. T'as rien eu? Regardez, j'ai 2200. Je vais retirer 2 comme d'habitude pour la bouffe. 2253, wesh. Même sur mon compte dans la vraie vie, y'a pas ça. Ouais. T'as entendu dire que t'allais retirer? Pas besoin? Quoi? Bah, t'as oublié. Quoi, c'est repas gratuit? Ah oui. Ah ouais, merci chef.
carré. Vas-y, j'ai remis mon argent. C'est vrai que d'habitude, tous les jours, c'est 2 euros le repas. Bon, pour moi, c'est repas gratuit. Carré. Monsieur, je peux avoir du caca de cheval? Ah! Mais toi, c'est pas à la prison qu'il faut t'amener, c'est à un hôpital psychiatrique, il est fou celui-là. Vas-y, prends ce que t'as à manger là. Merci. Les amis, depuis que Julien est mort, je suis comme un roi. Même dans la vraie vie, on me traite pas comme ça. Je paye même pas ma bouffe. Oxymos, comme d'hab. Ah ouais, vas-y. Service à table, carrément. Vas-y, je me mets là. Service à table, c'est royal. Eh, c'est royal ce que tu me proposes là. C'est comme chez McDo. J'aime beaucoup ce que tu proposes. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Les amis, si vous avez la ref en commentaire, je vous super like. Je m'abonne à votre chaîne. Si vous savez la chanson que je chante. Bah, nickel. Mais il a raison. Comme à McDo, le petit chevalet commande de. Oui, hop. Tu prends le petit chevalet. Hop, voilà. Carré, les potes. Hop là le burger. Eh franchement, burger gratuit. Même dans la vraie vie, je suis pas traité comme ça. Mon collègue, on se fait un petit plat en sauce. Oh là là. Oh yeah. Oh yeah. Oh mais ils se mettent bien les gardiens aussi hein. Attends, je vais faire un truc. Ah non, t'as fini ta soupe, merde. Oh, pardon. Les amis, non, pas lui. J'allais cracher dans sa soupe. Bon, il l'a fini avant, dommage. Je peux rendre une soupe, s'il vous plaît? Oh. T'as de l'argent? Faut repayer 2 euros. Non, au deuxième repas, c'est 6 euros. J'ai vu qu'Oximus a presque craché dans sa soupe. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tais-toi. Je veux pas te la fermer. Non, mais c'est bon, il a plus faim. Il y a pas de deuxième repas, t'as cru c'était. T'as cru on était au Club Med ou quoi? Tu te sers. Tu. Il n'y a pas repas à volonté ici, on n'est pas off lunch. Et puis de toute façon, t'as pas d'argent. Mais déjà, qu'est-ce qu'il a. Ouais, déjà, comment il a réussi à payer son repas? Mais qu'est-ce que tu fais? Il a quand même eu 2 dollars. Eh, toi, tu veux vraiment te prendre une balle dans la tête? Oui. Ouais, je pense qu'il a envie, ouais. Il a envie de rejoindre Julien. Il va falloir l'amener en hôpital psychiatrique. Ah ouais, lui, il faut l'interner, les gars. Bon, allez, petite pause. Attends, je vais appeler un hôpital. Ça fait plaisir, les amis. Petite pause, je suis tout seul. Il n'y a pas Marinette, il n'y a pas le Cosmos. Ça, c'est dommage, j'aurais bien aimé parler avec lui de notre plan d'évasion. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il va revenir. Il va peut-être revenir dans le prochain épisode. Oh, Ismaël, garde... vole quoi? Garde. Oh là. Mais t'es sérieux, là? Oui, je l'étais en train de voler. Prends flag. Donne le poisson. Prends en flag. Je suis désolé. Allez, sors. Ouh, mais dis donc, ça chauffe dans cette prison, là. Collègue, on va même devoir fermer la porte à clé. Ouais. Eh, chef, il revient quand, le Cosmos? Non, pas longtemps. Ok, la semaine prochaine, il sera là, normalement. Ok, nickel. Ok, bon bah les amis. Eh, tu fais quoi ici? C'est mon territoire là. Tu vas là-bas toi. Je vois machine. Simos. Ouais. Tu veux te poser à table? Non, tranquille. Ah, merci beaucoup. Non, en vrai, je sais que t'es vraiment sympa, mais je te jure, j'ai plus très faim, donc je te laisse. Fais-toi plaisir. Ok, les amis. Bon, je sais pas pourquoi le garde, j'ai l'impression qu'il est tellement sympa avec moi qu'on dirait il a pas de pote et il veut que je devienne son pote limite. Il m'offre même des desserts, il est un peu bizarre. Mais bah tant mieux, j'ai envie de dire, mais bon, faut pas trop qu'il me colle parce que là j'étais en train de vous parler de l'évasion. Et en fait, j'ai envie de la faire avec le Cosmos, qu'on soit deux dans le camion quoi. Mais ça va être chaud. Mais ça serait vraiment bien qu'on soit. Oxymos. Ouais. Je te laisse, je vais prendre ma pause. Vas-y, prends ta pause, t'inquiète. Vous allez rester avec mon collègue. Ouais, t'inquiète. Eh, c'est pas moi qu'il faut pointer avec une arme là, c'est l'autre. Eh, va là-bas. Eh, c'est bon, je rigolais. C'est vrai que t'es pas bon. Avant c'était ton collègue, le collègue méchant, maintenant il est devenu gentil et c'est toi le méchant. Non, crève pas le ballon. Y'a que ça pour jouer ici. Y'a que ça pour jouer. Les amis, je vais changer d'endroit parce qu'ils font que de me coller les gardiens, je sais pas ce qu'ils ont. Ok, ouais, je disais, ouais, j'aimerais bien amener le Cosmos avec moi, donc il faut qu'il soit là la semaine prochaine, tout simplement. Donc, il faut prier pour qu'il soit là. Je sais même pas pourquoi il est pas là, mais qu'est-ce qu'il est parti faire? Il y a une permission? Ben non.
pas de permission ce mec. Le Cosmos c'est l'un des mecs les plus dangereux. Oh purée, j'ai cru qu'il était en train de voler, mais en fait c'est un garde. Les amis, ces gardes là ils sont impitoyables. J'espère juste que la semaine prochaine, bah soit si le Cosmos est pas là, je me barre tout seul, c'est pas grave, mais j'espère que je vais pas me faire choper, parce que en vrai je vous avoue, sur toutes les prisons où je me suis échappé, tous les RP prisons, là c'est la cachette que je pense la moins safe que j'ai fait. Enfin, c'est la technique d'évasion la moins safe que j'ai fait. Et je vous rappelle, si ça fonctionne pas, c'est cachot direct, les gars. Il n'y a aucun moyen de s'enfuir. Je vais aller en isolement. Et c'est pas les cellules tranquilles comme il y a là. Je vais perdre la confiance. Les douches. Ah ouais, lors des douches. Je vais perdre la confiance de tous les collègues, de tous les gardes et tout. Et là, ça va être encore plus difficile de s'en aller. Donc, faut vraiment bien préparer le coup pour la semaine prochaine, les amis. Allez, 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Là, j'ai combien de secondes ? Toi, bah... tu sens déjà le caca, toi, on va te laver au Karcher. À l'eau de Javel. Allez, hop, les amis, hop là. Ah bah voilà, cette fois-ci, il y a vraiment de l'eau qui coule. Vous vous rappelez, à chaque fois, il n'y avait pas trop d'eau qui coulait, là. Bah là, c'est bon, il y a de l'eau qui coule. Nickel, les potes. Ça pue, ça doit être Oxymose. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, là ? Elle veut quoi, là ? Dépêche-toi de sortir, toi. Et il veut quoi, le Pablo Picasso, là? Va me peindre une toile, toi. Tu pues, en plus. Vas-y, va te laver. T'as vite tes cheveux. Ta gueule. Oh, pardon. Les amis, j'ai dit en gros. J'ai pas envie de me faire engueuler par... ni par les abonnés, j'aime pas dire des gros mots, ni par le garde. Pas le droit de dire des gros mots dans cette prison. J'ai dit ta gueule. Désolé, hein. Désolé, c'est sorti tout seul, vraiment. Bon, les amis, hop. Ah ouais, bah il te montrera ta cellule, toi, le nouveau. Hop là, moi je peux la fermer tout seul. Bon bah voilà, les amis, mais c'est carré tout ça, cette petite journée là. Espérons juste que ça se passe bien pour la semaine prochaine, pour samedi prochain à 10h. Donc les amis, je vous rappelle, il y a ma boutique de vêtements, il n'y a pas que des vêtements. Regardez, j'ai un magnifique porte-clés que vous pouvez encore commander et tout. Tout dans la description. Une fois que vous avez commandé, que vous avez reçu, envoyez-moi une petite photo sur Instagram. Hop, comme ça, vous recevez le produit, moi je reçois une photo et bah je vous montrerai la belle photo en vidéo. Donc soyez les plus beaux top modèles possibles pour les photos, parce qu'elles seront vues par 600 000 abonnés, les amis, bientôt. Donc c'est pour ça, abonnez-vous, comme ça je sors une vidéo par jour, vous pouvez toutes les regarder. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça, voilà. Objectif 6500 pouces bleus pour cette vidéo. Allez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et à samedi prochain à 10h, tous les samedis à 10h c'est le RP prison. Donc voilà, samedi prochain 10h pour le futur RP prison où on va faire la tentative d'évasion. Je dis pas qu'on va réussir, hein. Jamais rien n'est acquis, mais voilà. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao ciao.